On est avec Phil Leroy qui a été l'un des invités. Ouais. Ben, ouais. Gabriel remet ses émotions. Là, Gabriel, elle va mourir. Mais regarde, dans ce temps, vous avez. Mais c'est des bonnes bouteilles? Non, c'est ok, bon. C'est bon. Avec la force de mon chandail. Phil, hier, t'avais ton premier gala. Ouais. Comment est-ce que t'as vécu l'expérience? Ben, tu sais, c'est. Vraiment, overall, c'était malade. C'était malade. Moi, je vais aller voir, Mike, comment ça va. Et c'est pas lui, c'est Perid. Tu il essayait de s'abonner une porte de sortie, le président. On a plein d'anecdotes de Val-d'Or, puis Michel. Oui. Ben, on veut pas les compter. Non, c'est sur un podcast. C'est ça. Impossible, tout est possible ici. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Comment est-ce que tu termines la ligne d'histoire? Parce que notre dignité restait là-bas. Ah, fait ouais. Que... on a oublié de la reprendre. Il fallait retourner, ouais. By the way. Non, c'est ça, pour revenir au gala, ça a super bien été. Là. C'est fucked up, là, tu sais, parce que t'en fais deux dans la même soirée. Fait que tu joues à 6h30 puis à 9h30. 6h30, j'avais jamais mis les pieds, tu sais, sur le stage, ben j'avais mis pour la répète, mais j'avais pas joué, tu sais, plein de monde qui sont venus jouer la semaine passée. Moi, je suis encore fâché contre toi. Je suis encore fâché. mais j'imagine que pour un humoriste, tu sais, de tu sais, comme moi, cette année, je pense que c'est mon 20e, juste pour rire. Je vois pas ma personne danger, mais c'est mon 20e. Fait que pour moi, j'ai fait long, mais vous avez grandi avec cette espèce de tune-là, pis t'étais comme chez vous, t'écoutais des galops, tu te disais, je pense que je veux faire ça. Ouais. Peut-être! Qu'un jour, je vais être sur cette... On jase, là, c'est un rêve. Je vais peut-être être sur cette scène-là. Tu sais, moi, je vais te dire, en 2005, mon père, à Noël, nous a donné à tout le monde une paire de billets pour aller voir le gala de Laurent Paquin. C'est quoi le problème? Genre, un ou deux, je sais pas. Puis, on est allé là, puis j'étais assis dans la salle, puis tu sais, j'étais habillé propre, on était allé au resto avant, nanana. Dans ce temps-là, c'était au Saint-Denis. Puis, j'étais assis là, puis on est allé voir le show de 6h30, puis j'étais comme, oh... C'est hot. C'est vraiment hot. Tu pensais-tu que t'allais être là? Jamais. T'avais quel âge à cette époque-là? 18 ans. OK. 18 ans. Mais t'avais-tu une idée de l'école de l'humour à ce moment-là? Non, je faisais de l'impro dans ce temps-là, puis c'était... C'est ça mais tu trouvais que c'était hot? Tu disais, je vis de quoi? Puis Billy Tellier avait ouvert. Je me souviens, c'est Billy Tellier qui ouvrait. Puis j'avais tellement trouvé bon, puis JF Mercier, je m'étais levé. C'est l'année du numéro touchant. Ouais, la fille... Le conte de Noël. Le conte de Noël. C'est l'année du conte de Noël. Je suis là, puis mon gars, c'était malade. Là, en sortant de là, j'ai fait, c'était un jour, faut que je fasse ça. Puis hier, j'ai invité mon père à venir voir mon gars. Oh. Il est venu sur le deuxième. Pis une chance. C'est tellement grand, pis t'as tellement d'affaires à apprivoiser. Tu sais, quand tu vas dans un bar, les bars se ressemblent pas mal tout, pis t'es déjà allé, t'es allé voir. Et là, j'ai jamais vu aucun show à la Place des Arts. Je monte, pis c'est con, là, mais en avant du stage, là où c'est écrit juste pour rire, c'est mou. Pis là, j'étais là, je vais créer cette cam, man. Faut que t'arrêtes d'avancer. Puis là, tu t'en mets, tu continues à dire des trucs. Fait que le show de 6h30, j'ai apprivoisé. Moi, hier, je disais, le show de 6h30, j'ai fait une apparition sur un gala. Puis le show de 9h30, j'ai fait mon premier gala juste pour rire. Ouais. T'sais? Puis c'est ce que je trouve un peu dommage. Puis en même temps, je sais que tout le monde est tanné d'en entendre parler aujourd'hui, mais que les gens qui faisaient la critique sont venus à 6h30. Mais ce que Phil Roy a fait pour vrai, c'était à 9h30. C'était à 9h30, j'étais à l'aise. J'étais comme à l'aise pour un gars qui était son premier. Là, j'étais crissement nerveux. Là, mais j'étais moi-même pas mal plus à 9h30. Mais en même temps, pour avoir eu des critiques dans ma vie, quelques-unes, je pense vraiment que... Tu sais, c'est sûr que sur le coup, là, toi aujourd'hui, au moment où on se parle, toi et ton équipe, vous êtes pas mal les dernières personnes à y penser à cette critique-là. Demain, il va y avoir celle de Mike, puis ainsi de suite. C'est juste que... Puis en même temps, c'est les critiques jugent un métier qu'ils ne connaissent pas. Et là, présentement, faut pas faire l'inverse. C'est juger ce que les critiques... Et les critiques, je pense... Je sais pas, j'ai deux écoles de pensée. Est-ce que vous pensez, je demande vraiment à tout le monde ici qui est plus jeune que moi, est-ce que tu penses que les critiques devraient être jugées comme un humoriste ou comme un humoriste qui est à sa première fois? Tu sais, c'est comme mon jeune, quand il a commencé à marcher, mon fils, c'était pas tête. Tu comprends? Mais je comprenais que c'était sa première fois. Est-ce que tu penses que les critiques devraient prendre en considération c'est son premier gala juste pour rire? Oui, mais en même temps, t'es conscient que tu t'en viens dans la cour des grands pis que le monde vont pas payer moins cher son billet parce que t'es là. Tu sais, je veux dire? Donc, même quand Crosby est arrivé pour les Pingouins, fallait qu'il score. Fallait qu'il score au même titre. Fallait pas faire, c'est sa première game. Fallait faire, tu sens, ben, ouais. C'est ça. Mais c'est sûr, en même temps, il y a des Zoufest,
Il y a le Galoff, le Chienswell aussi. Ouais, c'est ça. La relève, c'est souvent la relève, il y en a plein partout. Non, mais là, en même temps, je trouve, surtout, mettons, avec toi, Phil, qui a un style vraiment défini, vraiment particulier, c'est tout ou rien. Tu sais, je crois que le monde, soit qui trippe vraiment sur ce que tu fais, ou soit qui aime pas ça du tout, tu sais, il y a comme pas de zone grise. Puis je trouve que les critiques, souvent, c'est qu'ils parlent pour eux, sans tenir compte de l'ensemble. Tu sais, elle aurait pu dire, mettons, moi, ça m'a pas rejoint, mais la foule a bien réagi. Ouais, mais c'est aux deux. Le premier c'était. Il était plus jeune dans le coin. Ouais. Il était peut-être 5. Mais non, mais j'accepte le rameau. Non, mais il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes qui se sont. Mais il y en a un peu partout. C'était clairsemé. C'est comme les cheveux. Le deuxième. c'était. Je porte des casquettes, ben, j'assume pas la calvitie. C'est comme Pence. Oh, dis pas son nom. Oh, je m'excuse. On prononce pas son nom. Non, c'est vrai. Puis le deuxième show, là, c'était pas complet, mais c'était, je sais pas, je dirais quoi, 80%. Oui, parce que des standings complets, c'est très... C'est ça. C'est très rare des standings complets. Ah ouais. C'est très un complet quand tu vois tu remets le gala de mangue à soir, ça s'élevait à chaque artiste dans le premier dans le premier gala, mais c'était des 30, des 40, des j'ai vu 3, tu comprends, mais ça s'élevait à chaque personne. Ben, le gala est bon en général, là, ça s'est pas levé, c'était qui là qui vient de prendre? Il y avait c'était clairsemé. Non. Le monde qui levait, il marchait pour aller s'asseoir. C'est un standing, je m'en vais pisser. Mais il pense qu'il pisse standing, mais je pense que ça fait debout. Mais c'est ça, puis ça dépend. Tu sais, tout est dans aussi où ce que t'es placé dans le pacing, où ce que t'es placé. Puis c'est là que je posais la question, tu sais, en même temps, on revient, des fois, ils disent « marche un mille dans mes chaussures », tu sais, on va revirer la situation. Si toi, t'avais eu à critiquer le spectacle d'hier, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, est-ce que tu juges Phil Roy comme un rookie ou tu dis « non, non, il est sur la glace des vrais, il est sur le tapis mou, là ». Ouais, mais pour moi, mettons... J'aurais fait, tu sais, j'aurais donné la critique vraie, puis à la fin, j'aurais dit, c'était son premier gala. Mais toutes les... aujourd'hui, là, ce que je lisais, c'était Phil Roy qui en était à sa première performance. Fait que c'était souligné. Tu sais, mettons, puis, tu sais, mettons, quand regarde, tu disais, t'aimes ou t'aimes pas, moi, je pense que t'arrives t'aimes à trouver qu'est-ce que t'aimes, mais t'arrives à cibler, là, pourquoi... C'est moins ton truc, qu'est-ce que je fais? Puis ben souvent, c'est la voix. Tout le monde écrivait sa voix, ben c'est le son de son micro, mais qu'est-ce que je fais? Je parle de moi. Ou non, mais tu me parles pas comme tu delivers ton affaire. Non, c'est ça. Ça vient de où ton... quel moment t'as découvert que parler comme tu le fais sur stage, ça marchait? Ben à la base, c'est un... Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est un peu con, là, mais à la base, mon personnage de la scène, c'est un peu une caricature de mon père. Le gars qui se fâchait, je trouvais que d'avant, là, OK, puis maintenant, je trouvais qu'il se fâchait pour rien. Puis là, c'était... Il pompait à rien, là, à cette heure, c'est plus le même homme, puis j'ai plus la même vision. T'as-tu remarqué, c'est depuis que t'as déménagé qu'il pompe plus à rien? Ben, honnêtement, oui! Ben, oui! Fait que, bon, c'était ça, il était tout le temps en tabarnak, tu sais. Hey, ça a marché, man, Mike, ça a marché. Juste à le dire à Cam que c'était... Ah oui, non, ça fait un prêt, elle a capoté. Elle trouvait pas ça drôle. Non, pas ça drôle. Je vais laisser la porte ouverte, quand t'es fort. OK. Standing, Mike.